Bonjour et bienvenue sur netprof.fr. Donc aujourd'hui nous allons voir comment couper une vidéo à l'aide du logiciel Sony Vegas. Donc tout d'abord on va commencer par ouvrir une vidéo. Donc on a besoin d'aller dans Fichier, Ouvrir, et on va aller rechercher notre vidéo. Donc nous avons notre vidéo avec notre piste audio. Comme vous pouvez le voir. Et maintenant, on va chercher à couper la vidéo à un certain endroit. Donc couper la vidéo est quelque chose de très utile pour par exemple se séparer d'un bruit ou de quelque chose que l'on ne désire plus, par exemple un silence ou un bruit parasite. C'est quelque chose de très important dans une vidéo et parfois ça peut être une véritable prise de tête, notamment avec ce logiciel. Donc je vais vous montrer comment faire de la manière la plus simple qui soit. Donc il nous suffit de pointer le curseur à l'endroit voulu, comme ceci. Il nous suffit d'appuyer sur S. Voilà. Donc effectivement, la vidéo a bien été coupée à cet endroit. Voilà. Donc, comme je disais, donc la vidéo a bien été coupée à cet endroit. Maintenant, si on veut se séparer d'un certain ensemble, par exemple ici, si j'ai un silence et que j'en veux plus, je vais tout simplement venir ici dans cette partie, dans cette bande, ce qu'on pourrait appeler une bande. Venir sélectionner comme ceci et appuyer sur S. Voilà. Ce qui fait que la partie que je ne désire plus, celle-ci, il me suffit de faire un clic droit et de supprimer. Si j'arrive à la supprimer. Voilà. Donc si vous voulez supprimer une partie de la vidéo, en revanche, voilà par exemple cette partie-là, donc je vais la couper. Voilà. Si je veux la supprimer, il faut bien qu'elle soit entre les deux triangles jaunes. Voilà. Et je peux la supprimer, comme ceci. Donc voilà, donc ensuite vous pouvez rapprocher évidemment votre vidéo des autres parties. Vous pouvez aussi être beaucoup plus précis en utilisant la roulette pour zoomer, pour faire des choses beaucoup plus propres, etc. etc. Donc c'est à vous de voir ce que vous voulez supprimer et ce que vous ne voulez pas supprimer. Voilà, donc j'espère que ça vous sera utile et j'espère aussi avoir été assez clair et je vous dis à une prochaine fois sur netprof.fr.